famille pas moins jodi a nous pral parler ou j'ai te commencé déjà sous exigence la vie dans Jésus-Christ fait monde. Et c'est sous ça n'a effectué voyage nous. Li facile pour monde dit dans Jésus comme nous t'ai dit déjà. Li facile pour monde dit converti repenti Jésus après tourner. Pas bon monde presque pas dire. Tout monde n'est capable de dire ça. Mais vivre de façon normale, gagner une vie qui contrôlée, une vie qui disciplinée, une vie qui réglée, ça sont l'autre bagaille. Et c'est niveau ça à nous pas loin. Notre première exigence déjà, c'est chita sous la parole de Dieu, chita sous la Bible seul. Et ou pas gain droit faire l'évangile en dehors de la Bible, ou pas gain droit dire rien de bon Dieu en dehors de la Bible. Tout ça ou a dit, tout ça ou a fait faut utiliser principe bon Dieu. Et mais je dis à nous pas loin comment et mes familles pam ou doit mener la vie. Nous saluer ou même qu'a regarder vidéo. Nous saluer Jean-Christ Erson Salomon qui prend image ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 13. Nous va faire lecture à vous. 1 Corinthiens 10 verset 13. Même livre. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Famille, vous entraînez moi, vraiment avec Sem, il y a un slogan qui dit moun péché chaque seconde. Nous comprenons ça. Mais je dis à moi, venu. Tentation pas péché. Tentation et péché, c'est deux bagages différents. Nous pas même. Pas mélanger yo. La tentation est humaine. Les Paul poussé par l'Esprit de Dieu. Il dit peuple Corinthien ça. Qui ça Paul veut enseigner peuple Corinthien? Mais avant tout, permettez-moi de dire, peuple Corinthien sont peuple qui te fonctionnent dans la coupe. Ils étaient facile pour pécher. Ils étaient gardés pécher comme oxygène, comme de l'eau à boire. Donc, c'est qu'ils n'ont pas de capacité pour te résister. Ils étaient prêts pour la guébaille. C'est comme ça qu'ils te comprennent. Ils te comprennent. Donc, c'est plus fort passé. Après, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont péché. Ils ont commis des démagogies dans la société. Ils ont dit bon, c'est plus fort passé. Ils ont dit bon, je ne peux pas résister. Ils ont dit bon, la situation, c'est ça qu'on est obligé de faire. Ils ont dit bon, et ça me fait, on ne peut pas comprendre ce que je dis là, mais c'est l'emplacement, on peut comprendre. Et c'est ça qu'on est fait. Je ne peux pas avoir l'autre moyen, je ne peux pas avoir l'autre issue. C'est ça qu'on est fait. Et déclaration ça, yo, yo pas étrange, peuple corinthien, tu connais l'habitude fait yo. Mais Paul poussé par l'Esprit de Dieu, il dit peuple corinthien, la tentation est humaine. Ça le dit ou pas là. Ça que faut même entendre. Il y a ce qu'on appelle la nature humaine et la nature pécheresse. C'est deux bagages différents. Oui. La nature humaine, tout le monde net en tant que monde. Eh bien, vous possédez la nature humaine. Donc, son être humain. Jésus-Christ a la nature humaine. Et ça fait, vous obtenez généralement, les théologiens disent Jésus est 100% homme. Mais Jésus n'a pas la nature pécheresse. Eh bien, quel que soit le monde qui a la nature humaine, avec être humain en même, alors nous dit quel que soit le monde, donc sans cesse c'est une tautologie, être humain en même, il n'est pas capable de tenter. Ce n'est pas un ange qui a tenté. Parce que la tentation est humaine. C'est le monde qui doit tenter. Et c'est impératif pour le monde de tenter. Quel que soit le degré spirituel, quel que soit le type de monde qui est lié, il n'est pas capable de tenter. Automatiquement, qu'il la vive dans le corps de terre. Il n'est pas capable de tenter, et ceci tentation, le jour au jour. Il au quotidien. Il n'est pas capable de tenter. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4, il était tenté.
moi avec eux, c'est normal, n'a toujours qu'attendre. Li clair. Joseph t'est tenté. Toi qui clair, toi qui évident pour moi tenter. Quel que soit mon nom. Donc c'est ça, Paul dit pour être là, la tentation est humaine. Donc c'est on n'a pas besoin de trouver l'étrange du fait qu'il tente. Il n'a pas besoin de trouver son bagage extraordinaire du fait qu'il tente. Non. Il n'a pas besoin de trouver son bagage étonnant du fait qu'il tente. Il n'est pas étonnant. Il son bagage chaque jour à tenter. Et la soirée humaine. Et deuxième bagaille, Paul le fait comprendre, lorsqu'il y a tentation humaine, c'est que quel que soit mon lien à tenter. Deuxième bagaille, puisque tentation humaine, tentation pas dépasser compétence personne. Tentation pas dépasser capacité personne. C'est que tentation qui vient sous chimé, là, il pas dépasser où. Le ciel a rangé toute bagaille, le ciel qui contrôle tout et de tout, et le ciel connaît qui sont à supporter. Pas jamais gagner une tentation qui dépasse la capacité ou qui bouvine sous chimé. Impossible. Impossible, famille. Impossible. Mais pendant que je fais aller ça, les sages pour nous qui sa tentation est. Parce que les offres de moi, ou pas les tentations, si on t'a demandé qui sa tentation est, ou pas capable d'expliquer. Tentation, c'est un appel que vous recevez pour aller violer un principe établi. C'est que c'est une invitation pour recevoir. Invitation ça recevoir, c'est pour al rachambonne. C'est pour laisser limite tout. C'est pour piétiner nos principes. Et là 1 Jean 3 verset 4, depuis principe pas violé pas gain péché. Mais depuis principe violé gain péché parce que péché c'est la transgression de la loi de Dieu. Son qui clair, c'est que déboutant de tentation, eh bien son bip pour recevoir, son appel pour recevoir. Son invitation pour recevoir. Pour aller piétiner principe bon Dieu. Pour aller violer principe bon Dieu. Pour aller transgresser principe bon Dieu. C'est ça lié. Quand y a là, ça qui arrive ou répond avec appel là. Ou bientôt ou capable répondre avec appel là. Si ou répond avec appel là, ou péché. Et le répondre avec appel là, c'est que ou al fait ça, yo m'a fait ya. Le m'di yo, m'li parler d'adversaire ya. M'li parler d'adversaire ya. Ok? Ou al fait ça, le m'a fait ya. C'est comme si son petit moun qui l'a kay parent, et puis une autre moun passe le relais tel, en allant de l'eau. Mais parent te dit le pig à l'allant de l'eau. Eh bien, l'autre moun kreye là, l'autre moun s'attend il. Eh bien, lui-même qui ça le fait, il lève le prend un récipient, il l'a de l'eau. Il péché qu'on y a. Mais s'il dit m'pas pralé, parce qu'il a le droit de m'pas pralé. S'il dit m'pas pralé, eh bien, il pas péché. Parce qu'il réfuté appel là. Il rejeté appel là. Il rejeté. Il n'a pas répondu positif. Donc, c'est ça la tentation. Et bien, apôtre Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, les deux peuples qu'on est là, la tentation est humaine. Et quel que soit le monde qui tente, ou bien capacité dans ou même, pour faire face carré avec tentation. En fait, c'est plus faux pas cela. Ça, c'est excuse lié. Et dans ou même, premier verset 21, verset 20, qui dit verset 21. Dieu dit, moun pa ka présenter excuse. Pas excuse. Son choix ou fait. Puisque ou font choix, ou pa ka venir présenter excuse, ça pa gen sens. Ça pa gen sens. Ou comprenez? Eh bien, faut même, en dedans, les tentations présentées sous chimé ou ka bata avec tentation, jusqu'à ce que ou remporte victoire. Et pendant ou bata avec, et c'est ça, verset a dit, Dieu a créé moyen victoire là pour. En dans tentation, Dieu a pour vous porte ou bien une fenêtre pour sortir de justesse. Parce que Dieu est ou bien volonté pour pas pécher. Ou bien volonté pour remporter la victoire. Le cas de Joseph. C'est pas Joseph seulement. Il y a plein d'autres monde dans la Bible qui ont une bataille pour ça. Qui ont résisté. Je suis très confiant pour me garder ça, le cas de vous-même. Si je ne me trompe pas, bataille
hein, pour pas offenser bon Dieu, pour pas violer principe bon Dieu qui a bataille pour ça. Parce que Dieu dit moun ka fè ou ta avec lui, il a péché par accident, mais il pas planifié péché ya. Il pas planifié. Il pas planifié, il pas fait la comme ça. Donc apôtre Paul dit l'intention de pour faire face carré, de pour vouloir bataille, de pour vouloir lutter jusqu'au sang en luttant contre le péché. Dieu a intervenu, Dieu a aidé ou. Il a aidé ou parce que Dieu est volonté au présent. Volonté au présent pour bataille. Volonté là où nous pas péché. Dieu est ça. Il a aidé ou. Dans Esaïe 40, Esaïe 28, excusez-moi, le verset 26. M'appelez pour Esaïe 28, le verset 26. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. A bien causé. Il lui a donné ses instructions. Dieu est juste là, mon qui est juste là, mon qui est droit là, mon qui est intègre là. Bon Dieu l'a enseigné la trajectoire qu'il lui prend. Bon Dieu l'a enseigné les gens lui fonctionner dans le monde ça. Bon Dieu l'a enseigné les gens lui vivre dans le monde ça. Parce que l'autre qui pas contre bon Dieu, c'est à travers mon bon Dieu pour voir bon Dieu. Tout le monde bon Dieu, c'est un livre ouvert. Pour entourage ou faire lecture pour capable pour entourage ou capable connait mon Dieu à travers fonctionnement yo à travers j'ai à parler à travers j'ai à fonctionner dans société dans communauté ya. Donc là regarde un monde bon Dieu avec un monde qui pas connait bon Dieu faut qu'on ait une grande différence yo pas même yo pas réfléchi même gens yo pas parler même gens yo pas agi même gens yo pas orienté la vie yo même gens. Yo pas décidé même gens pas gen bagaille comme ça. Gon grande différence, gon gros écart qui existait entre deux moun sa yo. Eh bien, dans Esaïe 28 le verset 26 là, Dieu l'a enseigné marche. Restez connecté.